Toujours chez le 8e défunt, une des chambres de la cour aussi, qui a été calcinée, brûlée, détruite. Ça, c'est l'expression de la barbarie. Et ça se passe à côté de nous, au Togo ici, à Mango. Le Dieu du Togo nous vient. Voilà. Donc, voyons, c'était un tailleur. Et voilà. Le feu, l'essence a été jetée à l'intérieur. On a mis le feu à la maison. On voit encore les machines calcinées dans la ruine de la maison. Et c'est lorsqu'il est sorti de la maison en feu qu'il a été accueilli à coups de matraque et il est décédé donc à la suite de ses blessures. Nous sommes donc dans la maison du dernier décédé de Mango pour saluer la famille et pleurer. Quelle misère. Et ceci se passe à côté de nous, à Mango, au Togo. Retoussez. Fais un peu le pied là. Oui, oui, oui. Merci, merci. On continue à prier Dieu pour que tu te remettes rapidement. Et comme on te l'a dit, la prothèse, pour que tu cours, tu sautes partout là, ça va se faire. On te fait la promesse. Et Dieu va nous aider et aider ceux qui sont loin, loin là-bas à pouvoir réaliser ça pour toi. Voilà. Donc on te remet les médicaments là, une fois encore, avec une somme de 25 000 euros. Voilà. Donc, voilà. Et si tu as un mot pour ceux qui m'ont envoyé, tu vas dire un mot pour eux. Et tu parles, on peut l'expliquer. Tu comment on va donner ça? Oui, oui. Merci à Ndabé, Bito, Sous, Banque, Ndabé, Krasi. Je vous remercie. Je vous remercie.
Et vous remercie l'équipe particulièrement qui est arrivée. Prenez bien soin de lui. Hein. J'aime moi aussi, je suis la femme, je suis la seule en ce moment. D'accord. C'est vous qui est venu pour le remédier, pour sa santé, pour sa vie. De loin, de l'appel qu'ils sont, ils se sont rappelés à lui. Je remercie beaucoup à la, de la distance qu'ils ont fait à nous. Alors, l'état qu'ils ont pris la charge à lui, que Dieu les augmente aussi. Que le service qu'ils mènent là-bas, que Dieu les accompagne. Qu'ils mettent la main sur eux. Faut pas de mauvais à eux. Je les remercie beaucoup pour la visite de mon fils. Dieu merci. Merci à vous merci. De nous avoir bien reçus. Merci. 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 Papa, lui, parle français. Je dis, je n'ai pas un mot à vous dire. Je parle au nom de Dieu et à votre nom aussi. Amen. Moi, je ne les vois pas. C'est vous qui les voyez. C'est ça. Mais Dieu aussi, je ne vois pas. Dieu me voit aussi. Voilà. Nous tous sommes en plein Dieu. Ceux qui sont de loin aussi, ceux qui font là. Donc, à ce niveau, déjà. Oui, ça vous fait mal. C'est ma... là, c'est... J'avais dit le monsieur de la Seigneur, tu vois, nous avons commencé. Parce que moi, si j'ai la plaie, elle-même, ça sèche. Mais quand je mets pommade, ça sort pour que ça gâte. Donc, quand je vous disais le jour de la ça, quand je suis venu, j'étais obligé d'enlever ça. Vous voyez déjà, c'est... Ça va passer. Oui, c'est la partie là. Ça vous tiraille. Quand il y a plus sur ça, non. Peut-être qu'il faudra faire une radio pour voir. Hein. Qu'est-ce qui se passe. Oui, le monsieur pouvait parler de ça, mais il a dit si c'est adaptant là, il faut notre propre déplacement. Ah oui, parce qu'il n'y a pas le, de radio ont, ici à Mango. Ont, comme ils ont dit, il m'a dit ça là. Et bon, on a conclu que l'autre est gâté. Donc ils ont enlevé ça pour aller réparer. Ah, donc il n'y a plus de, pas de radio à Mango. Ok. Bon, nous nous sommes là ce matin. On nous a dit qu'il y a quelqu'un à côté. Oui, parmi moi, les blessés là. Parce que moi, bon, disons, je ne sais pas ce qui est arrivé. Le militaire a été venu ici le jour. Bon, jusqu'à comme, l'intérieur ici. À l'intérieur, parce que comme j'étais parti au Ghana là, c'était moi qui étais avec Atamès. Atamès m'avait pris comme ça pour aller arranger sa place. Bon, après ça, le vendredi, ils sont venus me voir qu'il a reçu au vote. Et Atamès, il m'a amené dans une compagnie qu'on appelle Wiss Recifrin. Donc, c'est là-bas que j'ai travaillé. J'ai déjà fait 3 ans de Ghana avec eux. Parce qu'un jour, je passais du champ. Le ministre a tué, ouais, il est arrivé pour son jumeau, un en Amérique, l'autre ici. C'était lui qui était la, l'ancien ministre de l'éducation, pêche. Donc vous avez travaillé avec eux. Et lui, il m'a vu. Quand je passais, il a dit, hey, viens. Je suis arrivé, il me demande que je suis ici. Je dis non. Que comme il m'a vu ici, il veut qu'on soit ici. Donc, comme je suis le premier, je ne me suis pas. Je n'ai qu'à venir travailler avec vous. Que le matin, demain, il ne faut pas que je vais quelque part. Que je revienne à la place. Bon, le matin, je suis parti. Donc, la plaie, là, c'est venu comment? C'est les gens qui sont les militaires, là. Oui, ceux qui m'ont tapé. Bon, je veux parler de pourquoi. Et ils étaient venus et j'ai présenté la vie de Jésus. Parce que moi, je ne savais pas que ce que les gens ont fait dans le quartier. Ils m'ont fait quitter la maison avec 50 000. On voit que maintenant le plâtre est mis. Et, mais on sait que, en tout cas, on souhaite bonne guérison. Et avec les médicaments qu'on a amenés encore, on voudrait faire une petite contribution pour les dépenses là. Donc 20 000 francs pour toi, le bon guérison. Un remerciement, Dieu. Il y a quelqu'un pour le remerciement. Si elle veut parler, un chien. Vomis, elle me suit. Elle me dit ça, j'aime pas. C'est à vous de le dire. Vous commencez à résister immédiatement. Si vous voulez dire un mot. Ah bon, ça, ils vont parler, c'est ce qu'ils vont parler. Donc, Je suis comme un gars, mais il est pour le bout de gars, il n'a pas de dire.
Elle remercie la délégation d'être venue lui rendre visite. D'abord, je vous souhaite une bonne arrivée. Merci. Chez nous ici. Tout ce que vous avez fait, vous, la diaspora, nous sommes très reconnaissants. Et on ne sait comment vous remercier. On sait que c'est Dieu. Le grand remerciement viendra de Dieu. Dieu saura vous rendre tout ce que vous avez gaspillé au centuple. Donc, elle prie que Dieu nous donne tout ça, une bonne santé et du bonheur. Ce que vous avez gaspillé pour mettre la corne, ça, on est plus que ça. Merci. Une balle dans le pied. Et qu'est-ce qui s'est passé après notre départ? L'infection est rentrée et qu'il faut couper, amputer le bâton. Qu'est-ce qu'on peut dire? Courage. Mais en tout cas, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai parlé avec les petits frères qui sont, les grands frères qui sont dans la diaspora là. Je me suis renseignée à Lomé aussi, au service des prothèses là. Donc, on m'a dit que quand la plaie est complètement cicatrisée, qu'on peut envisager maintenant une prothèse pour te permettre de te déplacer. Tu ne vas pas rester comme ça. Donc, on attend seulement que la plaie soit cicatrisée. Il paraît que des fois, c'est un peu long, mais dès que la plaie est cicatrisée, je me suis renseignée, on a dit qu'on peut le faire, c'est plus proche d'Apaon. Qu'il y a un centre orthopédique là-bas, là. Donc, on pourra se renseigner pour avoir une prothèse, pour te permettre de te déplacer. Et je viendrai même te voir courir ici. Et donc, papa, il n'a plus à pleurer. Il va y avoir prothèse pour lui. Il va marcher, se déplacer. Merci Dieu. Hey, merci Dieu. Vraiment. Merci. Voilà. Donc, nous sommes là pour le revoir et voir quels sont les médicaments. Donc, je me suis renseigné, j'ai appris que tu ne dormais pas la nuit. Donc, on m'a donné un produit pour toi, du Valium, et tu vas pouvoir dormir. Et qu'il y a des tiraillements aussi dans la plaie et puis aussi les douleurs. Donc, un médecin m'a prescrit les médicaments anti-douleurs pour toi. Que c'est ce qu'on donne pour ceux qui ont le cancer dernier degré, qui souffrent là. C'est ça qu'on a prescrit.